Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'Hebdo des managers, l'émission dédiée à Football Manager tous les lundis ou presque sur la chaîne Twitch Eleven Sport de l'association Eleven Sport, l'Hebdo des managers que vous pouvez aussi retrouver en VOD sur YouTube. Vous avez toutes les replays de toutes les émissions, j'en parlais un peu avant avec José, là ça fait plus de 50 émissions, ça fait vraiment plaisir et ça fait super plaisir d'être avec José tout d'abord. Comment tu vas José ? Bonsoir Seb, bonsoir tout le monde. Et ben ça fait plaisir parce que tu sais il y a des lundis qu'on démarre difficilement et d'autres qu'on embrasse avec grand plaisir, et c'était le cas aujourd'hui quand on savait qu'on avait Julien qui serait là pour l'émission. Et oui, salut Julien Momont, comment ça va? Bonsoir à tous. Ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir de pouvoir parler de Football Manager avec vous. Ben, c'est une passion qui m'accompagne depuis des années aussi, donc c'est sympa de pouvoir parler de ça avec des passionnés. Bah, c'est ce qu'on a vu, J'ai vu voilà, quelques lives se lancer il y a pas longtemps là sur Twitch, donc c'est vrai que ça donnait envie de t'inviter. Donc voilà, t'es journaliste sportif spécialisé dans la tactique. T'as participé à pas mal d'ouvrages. Comment bien regarder un match de foot. Attends, je m'étais. Comment regarder un match de foot, pardon. Comment gagner un match de foot. L'Odyssée du 10, les entraîneurs révolutionnaires. Voilà, je m'étais tout mis sous la main. Et tu fais de plus en plus de contenu aussi sur YouTube, contenu spécialisé tactique. Et on voit apparaître du FM par-ci par-là de temps en temps. Donc ça faisait plaisir de t'inviter. Ouais, ça, bah, y a des thématiques qui se recoupent finalement entre parce que la tactique est un élément central de FM aussi, et puis bon, c'est aussi un jeu qu'elle joue depuis très très longtemps, donc c'est un moyen aussi de se détendre tout en continuant à parler de foot, quoi. Bah carrément, et donc on est parti pour une petite émission d'une petite heure avec toi, où on va pouvoir prendre le temps, tout d'abord voilà, prendre le temps de toi, revenir sur toi, le foot, et puis Football Manager, à quel moment ça t'a pris, et ensuite on va parler de plusieurs sujets. On va parler d'un peu de foot, un peu de tactique, de foot un peu rétro avec ta partie que tu fais en live sur Twitch, et on va parler aussi justement de Twitch et de comment toi tu vois ça en tant que journaliste sportif, comme on voit que tu développes de plus en plus dans la création de contenu, et voilà, et plein d'autres sujets d'actualité qui vont pouvoir se mêler par-ci par-là au fil des discussions. Voilà messieurs, j'espère que ça vous va. Oui, bien sûr. Et dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions à Julien et à réagir. Je serai là pour surveiller et prendre vos questions. Bah, Julien, je te laisse voilà, reprendre avec nous, nous parler de toi, le foot, depuis quand, voilà. Ah, si on est sur le foot global, le foot, j'ai du mal à me souvenir d'un moment où j'avais pas de foot dans ma vie, parce que au final c'est bon, une passion qui m'a été transmise par mon père, et dans mes souvenirs j'ai joué au foot depuis tout petit. J'ai commencé en club assez vite aussi, dès le niveau débutant. J'avais un petit but dans mon jardin, j'étais gardien pendant très longtemps. Bref, j'ai joué vraiment en club jusque 22-23 ans, quand ensuite avec les études, etc., j'ai dû mettre ça un petit peu de côté, le côté compétitif, et après avec le boulot aussi, donc c'est plus devenu un loisir ponctuel, la pratique en tout cas. Mais bon, j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier, et de pouvoir en vivre aujourd'hui. C'était un petit peu mon objectif, quand je me suis vite rendu compte que je n'aurais jamais le niveau pour en vivre sur le terrain. Donc, mais le poste de gardien de but, c'était un poste par défaut, ou c'était vraiment un poste que tu convoitais? Je pense que c'est un peu par hasard. Alors, ayant un petit but dans mon jardin, de base, je pense que j'avais enfin, voilà, quand on faisait des tirs avec mon père ou avec mon frère, bon, voilà, j'allais dans les buts, on tournait, etc. Donc c'est déjà quelque chose que je faisais, mais c'était tout petit, quoi. C'est plus par défaut, je sais pas, ouais, pendant l'entraînement, On tournait entre... Enfin, c'était au niveau débutant, hein, la notion des postes, elle est encore... Je pense que peut-être que même le gardien et peut-être l'attaquant, c'est peut-être les seuls postes auxquels tu fais vraiment attention quand t'es tout petit comme ça. Et je sais pas, ouais, bah, j'avais su arrêter quelques ballons sur des frappes sur l'un de mes premiers entraînements, donc bah, le week-end, on m'avait mis dans les buts. Et j'avais sur mon premier plateau débutant, j'avais beaucoup aimé le fait d'avoir une tenue différente des autres et tout, avec un pantalon, avec un maillot coloré, etc. Et je m'envoyais bien le torse, là, bien fier et tout. Et je pense qu'il y avait un petit côté comme ça, pareil avec les gants... il y a une esthétique du gardien et puis comment dire, une sorte de mode du gardien de but en termes vestimentaires qui, je sais pas, qui pouvait être attrayant quand on est petit parce que ça différenciait des autres. Donc voilà. Et puis donc voilà, après c'est devenu journalisme sportif axé sur le foot principalement quand j'ai pu me réorienter vers ça. Et du coup, bah, à quel moment t'es arrivé à jouer à Football Manager? Alors ça, c'est pareil, c'est encore une influence familiale. C'est mon oncle qui avait une version craquée, je crois, de l'entraîneur 2001-2002. Ou en tout cas, alors je sais pas s'il avait une version craquée, mais en tout cas, il m'avait transmis une version craquée parce que du coup, j'avais vu qu'il jouait, mais ça m'intriguait et j'avais voulu savoir ce que c'était. Donc c'était l'entraîneur 2001-2002. On commence tous par des versions craquées, de toute façon, je pense. On a tous commencé à cette époque en plus. Je suis tombé dedans, voilà, c'est comme ça que je suis tombé dedans et j'ai pu lâcher depuis, quoi. Donc, ouais, début des années 2000. Je me souviens qu'en plus, il jouait, enfin, j'avais copié un peu tout ce qu'il faisait parce qu'il avait joué avec Dalum, qui est un club de 3e division danoise. Donc, sur le 2001-2002, ben, j'ai joué pareil avec ce club-là. C'est un club que j'ai souvent repris au fil des années après dans d'autres football managers par la suite. Et ouais, non, voilà. Puis après, donc, voilà, c'est ma première porte d'entrée dans l'univers des entraîneurs. Et après, le vrai jeu vraiment que j'ai rincé et que je rinçais encore jusqu'à récemment, c'était la version 2003-2004 qui est la meilleure, avec le seul défaut que voilà, on peut pas accélérer les temps forts des matchs, donc c'est un petit peu longué parfois. Mais c'est vraiment l'édition sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir et à laquelle j'ai le plus joué, je pense. Et d'ailleurs que t'as rejoué récemment, parce que t'as, si je dis pas de bêtises, t'as essayé d'emmener l'Écosse un peu, hein, enfin en tout cas un peu loin non, la Grèce, pardon, qu'est-ce que je dis, l'Écosse, ouais, la Grèce plutôt, ouais, je crois que le défi de l'Écosse, c'était avec FC Géopolitics plutôt. Oui, non, je confonds. Non, mais en plus, j'avais bien en tête la Grèce, puisque l'Euro 2004, voilà, pour être d'origine portugaise, j'en ai, je vais pas dire un bon souvenir, mais un souvenir tout court. Tu m'étonnes. Ouais, mais du coup, en réfléchissant à des contenus un peu originaux à faire, par rapport à ce que j'avais comme matière, j'avais pas encore acheté le 2022 à ce moment-là. FM 22, du coup je me dis bah oui, ça peut être moyen avec le 2003-2004 de refaire un petit scénario comme ça, essayer de regagner l'Euro avec la Grèce. Du coup il y a le replay qui est sur YouTube, sur ma chaîne de replay. Mais ouais, bon, c'était marrant aussi de se replonger. Et c'est marrant parce que du coup Charisteas était super fort aussi dans notre épopée, même si on n'est pas allé jusqu'au bout cette fois-ci. Mais c'était assez réaliste à ce niveau-là, sur le niveau de Charisteas. Comme quoi, déjà à l'époque. Et du coup, t'as fait quel type de partie au fur et à mesure de tes... Je sais pas si j'ai retrouvé là, du coup, le club de Dalum, Forning, le club avec... Exactement. Magnifique stade, hein. Il n'y a pas trop de tribunes. Ah ouais, mais... c'est quelque chose que peut-être... Je ne suis pas allé jusqu'à leur rendre visite en vrai, ni aller voir Thomas Donksted, qui était un milieu de terrain offensif, qui marquait plein de buts dans mes parties, mais oui, non, c'est un club que j'ai suivi au fil du temps. Après, donc, oui, il y avait un petit peu cette ambivalence... parti avec des tout petits clubs comme celui-là, en essayant de le faire grandir, et puis quand même aussi des fois, bon, on a tous envie d'avoir des parties où on repose un peu le cerveau et on se laisse un peu porter par la qualité des joueurs et on se fait plaisir avec des vrais moyens financiers et tout. Donc, y a un petit... Souvent, la première partie sur une nouvelle édition de FM, je prenais un gros club pour essayer de me familiariser avec l'environnement, etc., sans être trop en difficulté. Et une fois que c'est bon, j'avais bien vu un petit peu les mécanismes des nouveautés, par exemple. Et puis repérer quelques pépites, je passais à un défi un petit peu supérieur. Quelques parties aussi, je me souviens dans les plus anciennes, mais avec les bases de données des clubs régionaux aussi, c'était marrant ça. Quand on commence en Régional 2 ou des choses comme ça, ou en PHR à l'époque aussi. Bon, c'était marrant, mais bon, c'était un peu la foire avec tous les contrats amateurs où ton effectif pouvait tous se faire recruter d'une semaine à l'autre sans foi ni loi, mais ouais, non, c'était des choses marrantes, quoi. Donc plein de choses variées. Alors, pas forcément très exotique en termes de pays éventuellement, je pense que je suis resté principalement en Europe quand même, mais ouais, voilà, il y a des petites... Par rapport sur le fait que tu avais besoin de maîtriser ton environnement, peut-être mieux de connaître les joueurs, peut-être même les adversaires. Est-ce que tu avais déjà aussi ce côté très tactique, très ancré, à vouloir incarner peut-être un entraîneur IRL ou pas? Non, pas vraiment. Et en fait, je pense que c'est plus parce que par exemple les championnats sud-américains ou même la MLS, parce que c'était encore par le passé, etc., ou même les championnats asiatiques, en fait le rythme de calendrier est différent, les règles sont différentes, etc., et c'était peut-être un peu moins attrayant. Peut-être qu'aujourd'hui, ça, notamment la MLS, il y a plein de ressorts nouveaux avec les Ignited Players, etc., donc ça peut être sympa d'aller là-dessus, mais j'étais pas non plus forcément dans cette approche, déjà en tout cas quand j'avais 15-16 ans. Je regardais, oui, en effet, je cherchais des trucs de tactique, etc. Mais si je pouvais trouver sur un forum une tactique qui marchait très bien et du coup plus avoir à m'en préoccuper, je me gênais pas. Quand même. Même toi, quand même. C'est dire. Oui, c'est sûr. C'est la logique qui veut ça. Et non, j'ai totalement oublié la question que je voulais poser. Mais juste, Seb, si le temps que ça te revienne, et justement, ce côté-là a évolué dans le temps et aussi avec ta profession et ta spécialisation entre guillemets de la tactique. Est-ce que tu as voulu toi aussi commencer à reproduire des phases de jeu que tu voyais toi IRL, que tu analysais toi-même, et que tu avais toi aussi envie de revoir dans tes parties? Alors paradoxalement, je pense que le fait de... Parce que je me suis formé entre guillemets à la tactique un peu sur le tard, en regardant des matchs, en lisant, etc., et en essayant de me mettre dans cette posture-là. Mais le fait de... Alors, comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne dans la vraie vie, ça m'a peut-être un peu frustré par rapport à ce qu'on peut faire sur Football Manager et ce qu'on ne peut pas faire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le cadre qui est posé dans Football Manager nous empêche de reproduire certaines choses. En tout cas, voilà... Et en plus, au fil des éditions, ça s'est quand même un peu complexifié pour vraiment comprendre l'équilibre entre les rôles, entre l'approche globale de l'équipe, entre les consignes qu'on va donner, et qu'il faut qu'elles soient complémentaires. Mais la terminologie n'est pas toujours très claire. Et forcément, ils sont obligés de mettre des cases, parce que voilà, si tu laisses trop de liberté, au final, tu peux aboutir à justement des stratégies un petit peu loufoques qui n'auraient rien de réaliste, mais qui fonctionneraient par rapport à comment fonctionne le moteur du jeu. Donc je pense que c'est un petit peu... Ils sont obligés de poser ce cadre-là pour éviter les déviances comme il y avait pu avoir avec la Diablo, par exemple, en 2003-2004. Mais voilà, j'ai un peu cette frustration-là de ne pas pouvoir forcément réussir à reproduire exactement toutes les consignes qu'on pourrait voir. Et ça se situerait... T'aurais un exemple? Tu vois, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse beaucoup à la tactique. Alors, bizarrement, à la tactique, surtout dans le jeu, pour essayer justement de reproduire des phases de jeu IRL. Toi, tu parles de frustration et en tout cas, moi, j'ai eu ces phases-là aussi... parce que bon, ça reste un jeu vidéo quand même, hein. Mais toi, tu as un exemple précis d'une phase, d'une action, d'une consigne que toi, tu voudrais voir IRL, que tu n'arrives pas à retranscrire dans le jeu et qui t'empêche d'aller... Il y a deux choses. Il y a par exemple les coups de pied arrêtés, ou les consignes qu'on peut donner aujourd'hui sur coups de pied arrêtés, elles sont hyper basiques. Alors c'est mieux que ce que c'était il y a 20 ans, mais ça correspond pas forcément à la réalité. On peut pas mettre en place de bloc aujourd'hui, on peut pas adapter son approche en fonction de si c'est marquage individuel ou en zone en face, alors qu'aujourd'hui, voilà, quand on voit comment les clubs bossent sur les coups de pied arrêtés et ce qu'ils mettent en place, on est à des années-lumière. Là, on peut même pas mettre... Ta dernière vidéo avec la diversion du joueur des Las Véron, c'est clair que c'est un truc qu'on pourrait pas proposer sur FM. Le joueur qui fait semblant d'aller tirer et qui se plaint, c'est clair, ouais. Et encore, je pense que c'est encore une fois la même chose. Ils disent, je pense que s'ils laissent vraiment trop de liberté complète pour pouvoir dessiner les coups de pied. Je crois qu'il y avait des jeux où on pouvait faire ça. Dans mon souvenir, il y avait un jeu où on pouvait faire ça. Ou des vieux, même les PES ou des choses comme ça, où tu peux choisir un petit peu le placement des joueurs dans les différentes zones de trajectoire. Et forcément, tu te dis, bon, dans ce cas-là, ça ouvre la voie à des choses qui seraient pas réalistes dans la vraie vie et qui pourraient débloquer des choses. Mais ça, c'est une frustration. Après, dans le jeu, il y a par exemple les phases de pressing où, des fois, on met un pressing très haut, mais bon. Pressing très haut, on tarde à le voir, ou même sur les touches adverses, par exemple, où on est par exemple fin de match, 85e, on est ultra offensif, allez, faut y aller, etc. Touche adverse, je sais pas, au niveau de la surface adverse, y a personne qui est là pour presser la touche naturelle. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui font dire que... alors, ils ont beaucoup progressé quand même sur le par l'intégration des différentes tendances du jeu quand même. On peut choisir de jouer avec le gagné pressing, le tiki-taka, etc. Et c'est vrai qu'on sent quand même la différence dans les approches. Mais voilà, il y a quand même des petits détails encore qui frustrent ceux qui veulent aller plus loin, je pense. Mmh. Et j'en profite de rebondir sur la question que j'avais avant, avec une question dans le chat là de Biki qui dit combien de temps en moyenne de jeu par semaine pour notre ami Julien. Et voilà, je voulais un peu poser la question de, voilà, t'es journaliste, t'es sur des livres, on doit même dernièrement avec Coparena, avec la Ligue 1. Quand est-ce que tu trouves le temps de pouvoir jouer à Football Manager? Franchement, j'ai acheté le 22 justement pour pouvoir refaire un petit peu de Twitch, parce que depuis que Téléfoot, la chaîne, s'est arrêtée, je suis reparti sur des nouveaux projets, et je suis plus à mon compte maintenant, et je gère un petit peu mon temps, et c'est pour ça aussi que je développe maintenant ces contenus sur YouTube et sur Twitch. Donc le FM 22, je l'ai acheté il y a un mois, quoi. Avant j'étais resté au FM 20, et ça, sur le FM 20, j'ai fait combien d'heures? J'ai mon site en même temps, j'ai 107 heures sur FM 20. C'est-à-dire, en fait, par exemple, là, je joue pas FM 22 en dehors des plages de Twitch, par exemple. Parce que, en effet, voilà, le temps est un peu compté, on va dire, et j'ai pas forcément le temps pour faire ça. Sur le FM19, j'ai pas mal rincé, je crois. Ah non, j'ai eu 895 heures, c'est pas la folie non plus. Si je remonte un peu, FM16, par exemple, 70 heures, moi j'avais pas beaucoup fait. FM17, 500 heures, voilà, si ça vous donne des idées. 583 sur le 2015 et 270 sur le 2013. Bon, c'est pas, voilà, c'était beaucoup plus par le passé, vraiment quelque chose auquel je jouais fréquemment. Là, c'est sûr qu'avec la vie pro à côté, avec la vie perso aussi, j'ai une petite chienne de 3 mois et demi qu'il faut éduquer aussi, et qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'attention. Et voilà, donc c'est pas... Mais c'est vrai que je dirais pas que c'est une frustration, mais FM globalement quand même m'a apporté beaucoup de choses dans la connaissance des clubs et la connaissance des joueurs, malgré tout. Et c'est sûr que je renierai pas toutes les heures que j'ai pu passer sur le jeu par le passé, parce que voilà, alors il y a des joueurs, il y a des choses qui n'ont pas nécessairement servi. Il faut pas être dans une optique non plus totalement utilitariste du temps de jeu à FM. C'était aussi un moment de divertissement, etc. Mais ça, quand même, ça enrichit quand même la culture foot. Au moins, ça élargit un petit peu les horizons et on découvre des joueurs peut-être en avance par rapport à d'autres. Certains qui percent, certains qui percent pas, mais même on connaît peut-être un peu plus en profondeur certains clubs, certains championnats en jouant à FM, quoi. Ah bah, carrément. Ça... Je crois qu'on a tous, appris avec Football Manager, ouais, que ça soit la géographie, que ça soit les joueurs, plein de choses. C'est clair et net. On avait aussi nous, je pense Seb, c'est pareil pour toi, mais à cours d'école pour faire simple, ce côté un peu de spécialiste, parce que ça restait un jeu de niche. Et voilà, on passait un peu pour les experts, alors que finalement on faisait que jouer à Manager, quoi. Ouais, puis c'est très riche, parce que comme toi, un peu comme Julien, tu vas être intéressé par la tactique, je sais. Moi, par exemple, je vais plus être intéressé par le côté exotique, les championnats qu'on peut découvrir, etc. Mais malgré tout, moi qui étais... FM m'a vraiment permis d'être de plus en plus intéressé à la tactique et de voir en match, enfin en tout cas de mieux comprendre ce que je peux voir en match. Sans non plus exagérer, hein, mais c'est vrai que de plus en plus, en s'intéressant à la tactique, ça permet de mieux comprendre, quoi. Ouais, c'est clair. Ah, puis ça, je pense que... Et d'ailleurs, je voyais passer dans le chat tout à l'heure... disons que le chat pointait, quelqu'un pointait maintenant l'intégration aussi des statistiques avancées dans le flux naturel du jeu, avec des rapports après les matchs où on voit les expected goals, on voit les pass maps, on voit des choses comme ça. Et je pense que la même manière que FM a peut-être pu contribuer au développement de la culture et de l'intérêt pour la tactique de la part d'un public qui, de base, n'y était peut-être pas forcément destiné, parce que c'est une matière un peu aride, etc. Et de la même manière, je pense que ça peut aussi aider à ce que les statistiques avancées, qui sont un peu décriées parfois parce qu'elles ne sont pas toujours comprises ou pas toujours très bien expliquées aussi, hein, le tort est parfois des deux côtés, ça peut, voilà, les faire rentrer dans naturellement dans le suivi du foot, du passionné, et on se posera peut-être plus les débats qu'on peut avoir encore maintenant aujourd'hui, qui sont totalement dépassés, de à quoi servent les stats dans le foot, quoi. Et ouais, pourquoi est-ce qu'il faut se servir des stats dans le foot? Et carrément, et j'étais étonné d'ailleurs je regardais à une période, je regarde plus du tout le Canal Football Club, par exemple, et je suis retombé dessus l'autre jour, et je voyais que ça balançait du expected goals, ça balançait vraiment beaucoup plus de data, et ça essayait d'un peu plus les décortiquer que ce que ça pouvait faire avant avec l'ami Pierre Ménès, quoi. Ouais, il est intégré. Alors après, ce canal, en plus, ils essaient de mettre en place des éléments comme avec leur indicateur canal de performance ou les live win probability aussi, je crois qu'ils mettent ça. Mais des fois, ça dessert un peu plus parce que c'est pas toujours très clair qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est fait, etc. Donc il faut toujours quand même, enfin, moi, c'était le souci que j'avais, enfin, le souci, la volonté que j'avais quand j'étais à MC Sport et à Téléfoot la chaîne, c'était quand j'utilisais une statistique avancée ou même d'ailleurs quand je voulais expliquer un concept tactique, c'est toujours le côté d'essayer d'expliquer pour ne pas exclure ceux qui ne connaissent pas, parce que voilà, moi perso c'est ma passion et c'est que je baigne dedans 24h/24, mais tout le monde ne vit pas le foot de la même façon. Certains ne s'intéressent pas nécessairement à ces aspects-là de mesure de la performance, ils sont juste là pour avoir un divertissement. Donc si on commence pour parler au plus grand nombre, il faut être capable d'expliquer et de faire comprendre l'intérêt, et aussi voilà, de bien utiliser les outils pour ne pas leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, parce que de base une stat ne dit rien, elle ne dit que ce que l'homme lui fait dire, et voilà, certains leur font dire des choses. C'est ça. Tu as raison, ces statistiques, cette data, c'est quelle traduction tu en fais. Si c'est simplement pour noter une performance de façon binaire pour dire il a été bon, il a été mauvais, moi je trouve effectivement que ça c'est pas très intéressant. En tout cas pour moi, ce que j'attends de telles émissions. Mais pour peut-être traduire justement une opposition avec un adversaire direct, un bloc, une équipe, voilà, essayer de traduire, essayer de comprendre ce qui a pu se passer à travers la data, ça oui. Moi, ouais, ça m'intéresse plus. Au-delà de dire il était bon, il était mauvais, les statistiques sont souvent une porte d'entrée et en tout cas un complément à l'analyse par les images de comment il a été bon ou comment il a été mauvais ou en quoi et pourquoi en fait. Voilà, c'est toujours ajouter une couche supplémentaire d'analyse pour ne pas arrêter juste à un jugement un peu péremptoire et vraiment pouvoir l'argumenter et puis s'appuyer sur des faits concrets, quoi. Et Magellan nous fait une bonne remarque aussi de faire attention de pas comparer deux sites différents avec quand c'est des algorithmes différents, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. On avait notamment parlé avec Guillaume Vague, qui était venu nous voir, qui était avec toi, ancien collègue. Ouais. Guillaume Vague qui nous en avait parlé il y a 3-4 semaines. Là. Donc c'est clair. Qu'est-ce que je voulais... j'avais une petite remarque, alors je sais pas si tu pourras réagir là-dessus, de Choclo qui disait le joueur qui t'a le plus impressionné sur tout FM confondu. Tu nous parlais d'un joueur danois tout à l'heure, est-ce que t'as une petite anecdote de joueur qui t'avait qui t'ont marqué en tout cas? Mon joueur préféré tout FM confondu, ça restera Evandro Roncato sur le 2003-2004. C'est lié forcément au fait que c'est celui que j'ai le plus rincé. C'est lié au fait aussi que j'ai pas mal joué avec la Diablo aussi. Et donc, il jouait dans cette position stratégique où il se retrouvait à marquer 50 buts par saison. Donc, oui, Roncato. En plus, alors, ce qui est. Disons que c'est pas comme Thomas Dera, qui était un joueur complètement inventé dans le 2001-2002 par le scout portugais. Roncato, il avait une vraie coach chez les jeunes, quoi. Il me semble qu'il finit meilleur ou deuxième meilleur jeune du mondial U17 de cette année-là ou de 2003, si je regarde. Juste devant ou juste derrière Fabregas, si je regarde, mondial U17. U17 2003, je cherche en même temps que je vous parle, mais du coup, il a une vraie hype, quoi. Bon, c'est un peu comme Freddy Adou, c'est des joueurs qui n'ont pas percé au final, mais enfin, Adou, ça allait, mais ce qu'on dit, Roncato, il est pas. Ok, je me suis trompé. Roncato, il est pas dans les meilleurs joueurs exactement. Par contre, il finit avec 4 buts le mondial U17 2003, ouais, comme Freddy Adou d'ailleurs avec 4 buts. Et Fabregas finit avec 5 buts, meilleur buteur. Et donc voilà, c'était un joueur qui avait une vraie cote, etc. Donc c'est pas non plus un mec sorti. C'est une vraie cote. En tout cas, moi je me souviens quand il arrive en Liga portugaise, c'était quelque chose. Ouais. Il faisait la une des journaux au Portugal. Hein. Je veux dire, c'était une vraie promesse de le voir arriver et tout. Donc après, voilà, expliquer pourquoi il a pas réussi à percer, difficile. Mais quand tu vois la liste des clubs qu'il a fait après. Tu dis qu'à mon avis, il n'y avait pas que le football qu'il aimait beaucoup, lui. D'ailleurs, je vois qu'il a pris sa retraite seulement là, en juillet dernier. Là. J'avais mis Transfermarkt, là, il vient de prendre sa retraite. Il est à Pignal-Novelze, ouais. C'est en quelle division, ça? C'est loin, ça, non? Pignal-Novelze, c'est en troisième. Ouais, c'est marrant. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, d'ailleurs, que ce genre de profil, on verra dans le futur, mais que ça existe presque plus... en même temps, disons que maintenant, alors, je pense qu'aussi la manière dont FM travaille, c'est professionnalisé, même s'il repose quand même beaucoup sur des bénévoles, encore pour donner les notes, mais voilà, maintenant c'est très difficile déjà qu'un bon jeune leur échappe. Et puis aussi la couverture médiatique fait que c'est plus facile aussi de trouver des infos sur des bons jeunes. Et que, alors, enfin, après, peut-être qu'il y en a... Peut-être qu'il y a le fait qu'il y a plus de jeunes maintenant qui marquent notre attention que oui. Il n'y aura pas un seul. Et je pense qu'en plus aussi, alors, parce que si on se souvient de 2003-2004, Roncato avait quoi? Il avait 17 ans, il avait déjà des statistiques gigantesques. Qu'aujourd'hui, les jeunes de 17 ans dans FM ont un peu moins. C'est un peu moins élevé quand même pour miser un plus sur la progression. Donc je pense que on a, enfin, voilà, les vraies pépites qui mettent du temps à se développer, elles sont moins performantes tout de suite. Elles font moins partie. Enfin, elles n'ont pas les notes des meilleurs joueurs du monde comme ça pouvait être le cas peut-être à l'époque. On a déjà eu le responsable France de Scout, de la base de données, de la base de données, et voilà, il nous a expliqué que, clairement, qu'aujourd'hui c'est quasi impossible de pop comme ça un jeune joueur inconnu avec des stats monstrueuses. Il y a plusieurs strates de validation, il y a plusieurs étapes. Comme tu dis, le jeu s'est aussi professionnalisé, même si il s'appuie sur beaucoup de bénévoles, mais c'est très, très encadré aujourd'hui. Il ne peut plus y avoir de dinguerie comme avant, et encore pire avec Tom Adale, qui était un joueur complètement inventé. Ça restera la meilleure anecdote de Football Manager, je pense. C'était le scout biélorusse aussi qui, en 2001-2002, avait envoyé plein de Biélorusses super forts avec Artem Milevski, Niki Forenko et tout. C'était pareil. Je pense que c'était une époque où ils pouvaient un peu plus s'amuser à tronquer la réalité, quoi. Mais du coup, ça donne des légendes. Du coup, la question, c'est... Parce que maintenant, en effet, est-ce qu'on aura encore des légendes de Football Manager qui sont des légendes parce qu'elles n'ont pas percé en vrai, quoi? C'est-à-dire que, bon, oui, en effet, les Messi ou les Agüero ou les Fabregas qui étaient super forts dans le jeu mais qui sont devenus super forts en vrai, bon, c'est des légendes du foot. Mais les légendes propres, vraiment, aux jeux vidéo, qui faisaient le bonheur de tout le monde dans le jeu, mais pas forcément dans la réalité. C'est impossible de... Bah, comme tu disais, il y avait avec Evandro Roncato, il y avait peu de matière, finalement, même si enfin, il y avait quand même ce mondial des jeunes où il avait performé. Mais c'est vrai que maintenant, même un joueur, par exemple, pour suivre le foot japonais... Même un joueur que dans une base de données, je vois, parce que comme c'est pas dans le jeu de base, en plus c'est encore moins checké. Quand je vois un bon joueur japonais, jeune joueur japonais, bah je peux quand même aller checker sur YouTube. Maintenant, tu peux avoir des vidéos t'as les résumés de matchs même de 3e division au Japon. J'ai vu que tu as hypé un petit peu un jeune japonais là. Comment il s'appelle? C'est Matsuki. C'est un jeune qui a gagné le tournoi lycéen avec Aomori. Ils ont gagné, je crois, 6-0. Enfin, ils étaient très chauds à Aomori. C'est quand même un des meilleurs lycées. Et il avait déjà signé avec le FC Tokyo. Et bon, premier match de la saison, il joue. Bon, il a pas fait grand chose, mais bon, il a l'air solide quand même. Déjà pour un gamin de 17-18 ans, il a l'air solide. Au moins, ça lui permettra de sûrement pouvoir jouer au Japon, quoi. Après. Il est même pas encore dans les bases de Football Manager, hein. On le verra plus tard. mais c'était intéressant là ce que vous disiez, parce que et d'ailleurs ça m'est venu comme ça, mais est-ce que justement aujourd'hui c'est peut-être une raison pour laquelle les joueurs aujourd'hui sont très attachés au new gen, parce que justement ils vont dénicher un joueur auquel ils vont s'approprier, ça va être leur recherche, leur pépite à eux, et presque on se souvient Vieux Lardon qui nous disait qu'il carrément il achetait le maillot, il floquait le nom du gen et tout, et je pense que ça y joue maintenant qu'il n'y a plus de surprise sur les Wonder Kids. Maintenant, on trouve même des listes. C'est aussi parce qu'on a la tête dedans, je pense aussi. Parce que tu vois, par exemple, un des derniers Wonder Kids, les Thiago Almada et tout, qui a signé à Atlanta, si je dis pas de bêtises. On va voir après si ça va. Là, il y a Créat qui nous parle de Carlos Fierro. C'est vrai qu'aussi, parce que dernièrement, on a vraiment la tête dedans dans Football Manager, donc on a l'impression que tout prend son sens, mais on a tendance à oublier certains joueurs aussi qui passent quand même à travers les... Il y aura toujours, je pense, des joueurs qui n'atteindront pas le potentiel que l'on voit avoir dans le jeu, mais peut-être pas dans des proportions... mais en fait, c'est plus l'inverse qu'on risque de moins voir, quoi. Oui. Genre des joueurs qui étaient vraiment... quoi que non, du coup... Qui sortent de nulle part, ouais. Du coup, je me perds. Oui, voilà, disons que normalement, les vrais bons joueurs chez les jeunes, ils arrivent à avoir une carrière quand même un peu honorable et pas tomber complètement aux oubliettes. Enfin, c'est peut-être un peu une vision un peu biaisée, je sais pas, mais voilà. C'est vrai que c'est la sensation qu'on peut avoir, en effet, de plus avoir c'est le prix du réalisme en quelque sorte, quoi. Le côté simulation, ça se rapprocher du réel, et en effet il y a un peu moins de folklore et de côté un peu romantique de la bonne surprise. Tu me fais une bonne transition, parlons de folklore et parlons de romantisme, et allons voir un petit peu ta partie avec Arsenal que tu fais en live, donc cette partie où tu reprends, je me rappelle, j'ai un trou de mémoire, le nom de ton gardien, du coup, du coach, du coup. Ah, c'est en fait, Chapman. Voilà, Herbert Chapman. En fait, là, l'idée, c'était pas de. Donc, c'est pour. Pas juste diffuser, parce que donc c'est la partie que j'utilise sur Twitch en effet, c'était juste pour pas dire de simplement diffuser une partie lambda comme font des dizaines, des centaines de streamers et voilà. Certains en effet sont sûrement des meilleurs animateurs que moi et rendent ça plus sympa que moi je peux l'être parce que je suis un peu sérieux on va dire. Et donc l'idée c'est d'essayer de trouver des scénarios un petit peu intéressants en restant un peu en lien quand même aussi avec ce qui me plaît, c'est-à-dire le côté tactique Et donc voilà, l'idée de tenter cette expérimentation. Donc l'idée c'est de reprendre le WM qui a fait le succès d'Arsenal dans les années 30 de la part du coach Herbert Chapman. Que j'ai grossièrement repris avec une photo en noir et blanc. Du coup en effet il est livide, c'est cendre d'Herbert Chapman qui est remodélisé par FM, et de voir un peu ce que son système, le WM, donne dans le foot d'aujourd'hui. Alors voilà, c'est toujours pareil, c'est avec la limite, le filtre FM, est-ce que c'est vraiment le foot d'aujourd'hui, mais c'est un prétexte en tout cas pour s'amuser un petit peu et aussi un peu décharger la pression de trouver un système qui fonctionne avec Arsenal. Si ça marche pas, c'est pas grave, c'est pas moi, c'est le système qui était pas possible. Mais étonnamment, c'est pas si mal. Genre, franchement, je m'attendais à pire. Mais c'est encore au tout début seulement. Hein. On a quoi? On a joué 4 matchs, je crois, 4-5 matchs. Et du coup, je me posais la question, donc c'est vraiment un style de jeu à l'époque qui était défensif, ou c'est toi qui l'as rendu défensif par rapport à comment FM te le propose? Bah, c'est pas défensif, enfin je sais pas s'il y avait une vraie philosophie offensive ou défensive sur le système, mais disons qu'en fait si on prend l'histoire de l'évolution tactique, à la base c'était c'est bien raconté dans le livre La pyramide inversée. À l'origine c'est genre par exemple un 2-3 un 2-7 par exemple, ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment quand on imagine la pyramide inversée, c'est le système, en partant du gardien vers le haut, vers les attaquants, c'est le moins de défenseurs possible et puis plein d'attaquants, quoi. Sur le premier match en 1870, par exemple, le premier match international, c'est ça, c'est un 1-2-7 contre un 2-2-6, je crois, en termes d'organisation Écosse-Angleterre. Et petit à petit, ça se rationalise un peu, ça devient un 2-3-5 qui s'impose un peu partout. Et Herbert Chapman, dans les années 30, introduit le WM, qui est l'évolution suivante, c'est-à-dire qu'on ajoute un troisième défenseur, notamment suite à l'évolution de la règle du hors-jeu. Initialement, la règle du hors-jeu, il fallait 3 défenseurs pour ne pas être en position de hors-jeu entre soi et le but, c'est-à-dire qu'en fait il fallait garder plus de défenseurs adverses pour ne pas être en position de hors-jeu. Je crois que c'est 1925 où il retire un joueur, donc il ne reste plus que 2 défenseurs en couverture entre guillemets. Je ne sais pas si j'arrive bien à l'expliquer, mais bref, disons qu'on enlève un défenseur qui garantit le piège du hors-jeu, ça veut dire qu'on est plus exposé éventuellement à ce que les attaquants adverses soient moins hors-jeu, donc il faut ajouter un élément défensif. C'est pour ça que Chapman ajoute un troisième défenseur, il fait reculer aussi 2 attaquants pour avoir un peu plus de milieu de terrain, donc on retrouve un peu finalement des choses qu'on voit aujourd'hui avec des systèmes un peu échelonnés en phase offensive, même si c'était du marquage individuel à l'époque, etc. Mais voilà, c'est plus cette évolution naturelle pour s'adapter à l'évolution des règles du jeu. Souvent d'ailleurs, l'évolution des règles du jeu a impacté les évolutions tactiques. Et puis voilà. Donc, je ne sais pas si ça avait vraiment une vocation si offensive ou défensive. C'était pas le Catenaccio, ça c'est clair. Mais par contre, c'est devenu le système dominant jusqu'aux années 50, quoi. Pendant 20 ans, tout le monde jouait comme ça, même voire 30 ans pour certains. Tout le monde jouait en WM. C'était vraiment le système répandu. Dans la presse, tout le monde notait l'ordre des joueurs en WM, etc., quoi. Et du coup, donc c'est ce que tu disais. Par contre, c'est pour ça que je te lançais là-dessus, c'est que par contre, du coup, le jeu de faire ce WM sur FM 2022, t'as adapté ça en quelque chose de plutôt défensif, en ayant cette masse de joueurs à vocation défensive. En fait, à l'origine, le vrai WM, si tu prends le vrai WM, c'est 2 latéraux et un défenseur central. Et donc la question que je me suis posée et que je me posais encore, c'est est-ce que je reste totalement fidèle à cet esprit-là au risque de me prendre des tollés chaque week-end parce que avec un seul central ça va être très compliqué, ou est-ce que bon, j'accepte de libérer les ailes et en mettant 3 centraux pour avoir une base un peu plus solide. Donc il y a cet aspect-là. Mon objectif de toute façon, c'est qu'on continue à pouvoir lire le WM. Donc le W pour les attaquants et le M pour les défenseurs. Le problème, c'est que par exemple les ailiers d'Arsenal, enfin les ailiers de base dans FM ne peuvent pas être aussi hauts que l'avant-centre, ce qui était le cas dans le WM initial. Et je voulais aussi quand même garder une certaine cohérence dans le système, c'est-à-dire si je mettais mes 2 milieux axiaux qui les plus avancés qui sont là aux deux gardes et Vecino dans la partie, si je les mettais vraiment en position numéro 10, bon, le bloc est complètement coupé en deux, autant dire que ça va être compliqué. Donc voilà, je fais un peu du Guardiola dans le sens où c'est un peu dans l'esprit de se dire je récupère une invention du passé qui est le WM et j'essaie d'apporter des aspects tactiques d'aujourd'hui pour que ça soit cohérent. Et donc en fait, je me dis, bah tiens, alors si l'adversaire a le ballon dans mon camp, j'ai pas de défenseur sur les côtés, je vais me prendre des boulevards, je vais concéder des centres de partout. Donc l'idée c'est, on va s'appuyer sur la grosse densité axiale pour mettre en place un jeu de possession avec un rythme très lent et des passes très courtes pour au moins avoir la possession. Ouais. Si l'adversaire n'a pas le ballon, il peut pas profiter de nos espaces sur les côtés et faire un pressing très haut dès qu'on le perd pour justement voilà, éviter que l'adversaire puisse s'installer chez nous, quoi. C'est parfois compliqué. Les centres deuxième poteau me font passer des sueurs froides à chaque fois, mais voilà, les résultats sont pas trop mal. On a fait 0-0 contre City alors qu'on aurait mérité de gagner sur la fin du dernier match. Donc non, ça va. Franchement, je m'attendais à pire. Ça aurait été très long si j'avais pris 3-4-0 chaque week-end à cause de ça. Ça aurait été très très long. Oui, c'est vrai que le calendrier, bon, c'est le calendrier Première Ligue hein, qui veut ça, tu connais bien toi. Mais du coup, c'est vrai que Liverpool, Tottenham, la coupe contre Leeds, puis City, c'est toujours sympa la Première Ligue. Ouais. Ça a été compliqué. Même pareil, Tottenham, on fait 0-0, c'est marrant parce que c'est marrant comment on peut incarner son équipe, bref. C'est genre 0-0, mais pareil, on doit gagner. Donc je pense qu'a priori, à domicile, ça se passe pas trop mal. C'est plus à l'extérieur où c'est un poil plus compliqué, notamment parce que je pense que les adversaires, quand ils jouent à domicile, mettent un poil plus de pressing, je pense, et du coup, le contrôle du jeu est un peu moins facile à avoir. Mais voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Après, il y a Chelsea. Sur tes 3 défenseurs, tu avais utilisé 3 défenseurs centraux. Il y a eu l'intronisation du nouveau rôle défenseur central excentré. Tu as pu le tester un petit peu ou pas du tout? Non. Mon idée, comme on n'a pas, c'est vraiment de garder qui bouge pas, quoi. je veux pas du tout qu'il monte vers les, qui se projette sur les côtés ou quoi que ce soit. Mais ça, en phase offensive, qui s'écarte un petit peu, au moins en phase offensive. Après, parce qu'en phase défensive, ils reviennent à leur poste de. Ouais, je crois que j'avais essayé au tout début sur la prépa, etc., mais ça n'avait pas été hyper concluant, donc j'étais pas revenu. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Après. Là, parce qu'on voit l'animation qu'il montre sur le défenseur central excentré, c'est il dédouble sur le joueur de côté. Bon, j'ai pas de joueur de côté, donc s'il dédouble, le problème c'est que j'ai déjà que 3 défenseurs parce que j'ai pas du tout de pistons qui vont revenir sur les côtés. Donc s'il y en a un qui se projette, ça dépend. Parce que tu peux mettre un défenseur central excentré défense, soutien ou attaque. C'est vrai que s'il attaque, il va te faire du Jack O'Connell, Chris Basham, et ils vont y aller dans le couloir. Après, si tu restes en soutien ou en défense. Globalement, ils vont participer à la construction du jeu en s'écartant, mais ils vont quand même rester bien en phase. C'est une remarque intéressante. Je pense que je testerai en effet, parce que c'est vrai que du coup, ça peut être pratique quand même d'avoir une première ligne assez étirée pour exploiter un peu l'espace pour construire le jeu. Ouais, carrément. Ah, tu prenais pas de but et maintenant, grâce à José, tu vas prendre des buts. Bravo. Non, mais pour le coup, ça revient à ce que disait Julien tout à l'heure. C'est vrai que lui, il est spécialiste, il est professionnel de la tactique IRL et la retranscription par le jeu. Il faut quand même connaître les rôles, leurs spécificités, leurs déplacements, leur positionnement, et c'est ce qui te permet après de pouvoir reproduire. Un peu ce qu'on voit IRL, mais si tu maîtrises pas les rôles qui sont quand même très spécifiques, enfin, je me souviens à l'époque il y avait des guides qui faisaient des pages et des pages sur l'explication vraiment de chaque rôle, quel rôle va bien avec quel autre truc, dans quel contexte, et par rapport même à la philosophie globale et par rapport aux consignes particulières, enfin, c'est vrai que je pense que c'est un temps que j'ai plus nécessairement aujourd'hui à consacrer à ça. comprendre FM pour ensuite réussir à adapter le jeu, quoi. C'est vrai que tout ce que tu viens d'expliquer, c'est ce que je fais lorsque je joue à FM. J'arrive même plus presque à avancer dans mes parties, tellement je reste focus sur ça, connaître les mouvements de chaque rôle. Et c'est vrai que ça prend un temps fou et finalement t'es plus dans la déconnexion, le divertissement du jeu. Oui, c'est sûr que c'est sûr. Mais du coup, ça me permet de rebondir aussi. Et petite dédicace à mes Forest Green Rovers qui t'ont quand même fait suer en, en coupe. Tu rebutes. Bon, c'est une équipe B. Et oui, ça me permet de rebondir sur ce que tu peux proposer aussi en live. Donc on voit voilà la carrière avec Chapman, mais aussi ce que tu avais fait avant le match. Du PSG contre le Real, de faire une petite simulation comme ça, d'utiliser aussi FM comme ça, de faire une petite simulation et puis d'essayer de voir et de faire toi ton pré-match en fait pendant en regardant un peu ce que FM te propose. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, parce que je me souviens, à une époque c'était le site Skoka aussi qui faisait plein de scénarios comme ça de FM. Ouais. Et, c'est souvent intéressant. C'est toujours pareil, c'est un prétexte pour d'utiliser FM pour parler de foot et de l'actualité, quoi. C'est au lieu de parler juste comme ça sans aucun support à côté. On lance le match sur FM pour voir, on rigole un peu, on s'amuse, on s'amuse en voyant ce que le jeu peut nous proposer. Et au final, d'ailleurs, le contenu du match n'a pas été si différent de ce qu'on a vu en vrai. C'est-à-dire que dans FM, Paris avait surdominé le Real. Bon, ils avaient un peu mieux concrétisé parce qu'ils avaient gagné 3-0. Mais en vrai, Paris a surdominé le Real aussi. Donc voilà, encore une fois, ça se rapproche. Mais oui, voilà, c'est vraiment un prétexte aussi de dire, on garde un petit peu de foot virtuel en même temps qu'on parle des enjeux du match du soir. Ouais. Oui, parce que clairement, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as quitté... la chaîne Téléfoot, oui, pardon. Du coup, tu t'es mis un peu à ton compte, tu t'expliquais. Et c'est vrai que le support Twitch, YouTube, c'est aussi une façon pour toi d'exprimer, de créer de contenu. Clairement, le jeu Football Manager, tu l'as dit, c'est un prétexte pour pouvoir proposer... Du contenu, des sujets, parler de foot tout simplement. Ouais, alors il y a différentes choses qui se rejoignent, c'est-à-dire que, alors en effet, j'ai mis un petit peu de temps avant de m'y mettre parce que j'ai mené d'autres projets après la fin de Téléfoot, donc je me suis vraiment relancé en tant que journaliste vraiment freelance, etc. et la production de contenu. De toute façon, la chaîne YouTube, je l'ai vraiment lancée fin novembre par exemple. Et donc Twitch là c'est seulement depuis le début d'année où je commence à ajouter ce créneau là, mais c'est pas toujours facile parce que j'ai des collaborations avec l'équipe, avec Coparena, maintenant avec la LFP régulièrement aussi, donc il faut trouver pareil l'emploi du temps pour réussir à consacrer ce qu'il faut à tout. Et c'est vrai que c'est sûr, par exemple Twitch ou YouTube par exemple, c'est pas suffisant en vivre aujourd'hui pour consacrer à... il faut mesurer le temps consacré par rapport à ce que ça rapporte aussi, mais c'est toujours des choses, mais c'est des projets qui me tiennent à cœur aussi parce que c'est un peu c'est des projets où on est un peu notre propre patron et on est à la fois rédacteur en chef parce qu'on réfléchit au sujet et à la manière de les traiter, on est animateur, on est metteur en scène, réalisateur, on touche à tout, un peu technicien aussi avec le matos, donc c'est hyper riche. J'ai appris plein de choses dans cette aventure là aussi, des trucs qui à la base je pense m'auraient pas spécialement intéressé, mais tout ce qui est des caméras, la lumière, le son, plein de choses, donc c'est hyper intéressant. Et mais alors du coup, FM ça fait partie de ce truc là, mais l'objectif à terme c'est de proposer aussi autre chose. C'est pour ça que je fais un petit peu des quiz foot aussi maintenant le vendredi sur le site Sportcube, mais à terme j'aimerais bien réussir à trouver un moyen de faire des lives d'analyse du jeu. Alors il y a toujours la contrainte de l'utilisation des images, on peut pas montrer de vidéo, mais et comme du coup il faut faire avec des captures d'écran, c'est un peu chronophage parce que les faire en direct ça prend du temps, donc c'est plus les préparer en avance pour ensuite les jouer en direct et discuter dessus. Mais voilà, c'est un temps qu'il faut réussir à trouver. Donc quand le créneau viendra, j'y réfléchissais par exemple là pour ces jours-ci, je pense que je vais peut-être essayer de le faire pour y arriver, parce que évidemment à la base c'est le cœur de mon métier, on va dire. Et je veux pas que la chaîne Twitch soit que une chaîne de jeux vidéo, quoi. J'ai envie aussi de pouvoir... c'est un petit peu un créneau aussi je suis pas le seul sur ce créneau-là, loin de là. Il y a plein de gens qui parlent très bien de tactique et de jeu. T'as une expertise à mettre en avant et une liberté. Ça t'apporte une liberté, quoi. Ouais, donc c'est un format qui peut être intéressant. Et puis c'est toujours pareil en fait. Moi j'aurais du mal à juste lancer un stream comme ça sans avoir rien à apporter d'autre que ma tête et blablater, quoi. J'ai besoin de toujours, c'est un peu mon rôle dans les rédactions, en fait, c'était d'apporter du contenu, en fait, comme base de discussion. Et c'était ce que je faisais à RMC et à Téléfoot. C'était, j'avais des consultants qui avaient une expertise, une expérience et un vécu qu'on devait aller chercher pour leur permettre de l'exprimer du mieux possible et de la manière la plus intéressante possible. Et donc, mon rôle, c'était de leur sortir des séquences de jeux pour voilà, essayer d'aller les questionner, essayer de comprendre ce qui se passe à partir de leur vécu à eux, de leur expérience. Alors, il y en a qui ont plus ou moins cette sensibilité-là, mais c'était vraiment cette approche-là que j'avais. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qu'on m'a un peu inculqué à force de me mettre dans ce rôle-là, et que j'ai envie de remettre aussi comme ça, parce qu'en fait, je pense que... Alors, quand on voit le nombre de streamers qu'il peut y avoir, le nombre de créateurs foot sur YouTube, moi, en ayant commencé fin novembre, j'arrive un peu après la guerre, après la bataille par rapport à certains, en quelque sorte. Donc, si le but, c'est de réussir à développer ça, il faut réussir à se différencier un petit peu, quoi. Et alors, certes, c'est peut-être... ceux qui sont plus établis peuvent peut-être en effet juste arriver et discuter de foot parce qu'ils ont déjà une audience qui vient pour eux, parce que pour leur personnalité, parce qu'ils ont des avis intéressants aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu malheureusement entre guillemets, pour réussir à se démarquer, à se faire repérer, il faut faire plus, quoi. Il faut mettre la production en plus, il faut avoir l'idée en plus. Et voilà, c'est un challenge. Et puis c'est aussi enrichissant pour personnellement de toujours chercher une nouvelle idée, un nouveau format, une nouvelle manière de parler. Alors il y a des contraintes techniques qui font que parfois c'est pas toujours faisable et du coup on se contente de choses plus simples. Mais voilà, le but c'est toujours d'essayer de faire ça, de toujours aller chercher le truc supplémentaire qu'on pourrait apporter, pas juste donner son avis parce que voilà, enfin chacun a son avis sur le foot. C'est pas trop ma perspective du foot, quoi, juste d'être sur du talk-show, etc., quoi. Bah, justement, parce que tu parlais de contraintes, tu parlais d'images, c'est vrai que quand même, avec Coparena, du coup, j'avais un petit peu montré les images, là, vous avez lancé, du coup, vous êtes sur de l'analyse tactique avec l'équipe de Coparena avec la Ligue 1. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça, de comment ça s'articule? Ouais, c'est un partenariat qu'on a passé que Coparena a passé avec la LFP qui est génial parce que du coup ça nous permet de faire des analyses de jeux avec des images vidéo, quoi. C'est la base. Et en effet, donc c'est la première animation. Ah oui, ça c'est le teaser, ok. C'est le teaser. C'est sur le site de la Ligue 1, c'est ça, pour voir la vidéo. Le site de la Ligue 1, il faut juste un compte qui est gratuit. Et d'ailleurs, du coup, il y a plein de contenus hyper intéressants qui existent aussi par ailleurs. Je pense que c'est pas vraiment de courant qu'il y ait une plateforme de Ligue 1 avec plein de contenus. Mais... C'est bien, je trouve que ils ont mis un peu de temps, mais que c'est bien ce qu'ils font la Ligue 1 depuis quelques temps. C'est quand même. Ah non, franchement, ils se donnent. Parce que l'on reproche, oui, la question de l'accessibilité des droits, mais ça, c'est parce qu'il y a des enjeux avec les détenteurs de droits, avec les chaînes, etc., qui sont un peu délicats et qui sont plus complexes que ce qu'on en dit souvent. Mais par contre, en effet, et donc sur la plateforme My Ligue 1. Donc on rappelle encore une fois, c'est juste un compte gratuit à créer que j'ai créé il y a pas longtemps d'ailleurs aussi. Et en fait on a vu une émission 100% jeu en fait d'analyse tactique et statistique sur. On a choisi le Racing Club de Lens pour commencer parce que c'est une équipe intéressante et ça sort un peu aussi du Paris-Lyon-Marseille qu'on en voit un peu partout. Et donc on discute à 4 avec Florent Tenuti, Christophe Kuchli et Raphaël Cosmidis. On est sur un plateau, on parle, enfin il y a des stats comme appui, on échange un petit peu là-dessus. Puis on a aussi des longues chroniques de 5, 6, 7 minutes. Devant un écran avec des séquences qu'on a palétisées, qu'on a illustrées pour vraiment décortiquer le jeu. C'est un petit peu, ça reprend un petit peu l'esprit de la data room à l'époque sur Canal+, quoi. C'est une émission de décryptage du jeu, quoi. Donc on espère qu'il y aura une suite. Les retours sont plutôt positifs jusqu'ici, donc on espère pouvoir faire d'autres équipes dans le futur. Et c'est sûr que ça change tout quand même de pouvoir bosser avec les images sans la contrainte de devoir faire des captures d'écran successives. Même si ça permet d'entrer dans le détail aussi, de faire des captures d'écran pour s'arrêter sur des moments précis. Mais c'est sûr que rien ne vaut l'image, même pour les gens qui regardent, quoi. C'est sûr. Hâte de voir le rôle de taulier de Jordan Ferry au MHSC. Je sais déjà vu, sa stat de ce week-end là, il a touché un nombre de ballons, vraiment incroyable avec MHSC. Parce que je suis supporter de MHSC, c'est pour ça que je cale toujours dans l'émission mon petit moment. C'est pas Savanier pour une fois. Peut-être supporter de Montpellier sortirait Jordan Ferry comme ça naturellement. Ouais. C'est sûr. Peut-être pour pour rejoindre. Je voulais rebondir, moi, le côté juste rebondir sur le côté tous les journalistes avec qui tu as pu échanger, tous les journalistes sportifs. Est-ce que vous parlez de Football Manager? Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs de Football Manager? Bon, on sait qu'il y a plein de joueurs de Football Manager. Est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça? J'essaie de m'en rappeler. Ça me dit rien là comme ça. En tout cas récemment. Ce que je sais, c'est que par exemple dans l'amphi en école de journalisme, ça arrivait que quelques-uns étaient sur une partie. Moi, quand j'étais dans l'amphi à Sciences Po Lille, voilà, il y avait FM qui tournait souvent. Mais ça, c'est autre chose. Ou en tout cas, FM tournait aussi, ça accompagnait mes révisions de partiel. Mais après, je pense que il y a pas. En fait, on parle pas nécessairement ça me dit rien là comme ça. Mais je pense qu'enfin, ça me dit sur des brides de discussion, de mention d'un mec, on dit ah ouais, lui il était super fort à Football Manager, ouais. Mais après, c'est pas forcément un thème central de discussion en tout cas dans la rédaction où je suis passé. Ouais, j'imagine, mais voilà, c'était pour avoir le petit. Je te laisse José poser ta question. Non, oui, c'était pour rejoindre la question qui avait été posée là dans le chat par rapport à quel entraîneur. Tu aimerais discuter de tactique. Moi précisément, c'était justement de l'émission de décryptage sur les équipes de Ligue 1. Justement, bon, vous aviez choisi le RC. C'est pas au hasard aussi avec l'entraîneur en place. Voilà, quel entraîneur aujourd'hui en Ligue 1 t'intrigue, en tout cas t'intéresse? Et je rebondirai même avec une question de Warkick un peu plus tôt qui posait la question est-ce qu'un jour tu voudrais travailler pour un club? Donc ça pourrait aussi un peu se recouper. Alors sur les coachs, on a quand même la chance cette saison en Ligue 1 d'avoir plein de coachs hyper intéressants. Et typiquement parler de jeu avec Sampaoli, ça doit être génial, alors en espagnol évidemment. Mais Peter Bosch, c'est dommage parce que c'est super cool qu'il parle français, mais parfois il a du mal, je pense, à se faire comprendre dans ce qu'il veut dire. Après le match Lens-Lyon le week-end par exemple, sur une question à Thierry Henry sur le pressing, voilà, on sentait qu'il avait du mal à trouver les mots pour vraiment préciser la chose. Donc peut-être que dans sa langue natale, ce serait plus intéressant. Mais Franquès, franchement, il est quand même génial parce que il est hyper intéressant pour parler de jeu, il est hyper honnête en disant qu'en fait il répond aux questions, quoi. C'est pas un faux bon client qui va en fait ne rien vraiment dire. Il va vraiment entrer dans le détail des choses qu'il a précisées. Quand il a expliqué ce week-end le rôle de Sotoka, qui était normalement un attaquant qu'il a fait jouer relayeur, il a expliqué concrètement sur les phases de jeu, les phases de pressing, qu'est-ce qu'il en attendait, pourquoi c'était important, les notions de distance, à quel moment. Voilà, ça c'est vraiment le cœur des choses. Certains entraîneurs sont un peu réticents à entrer dans ce détail-là, et il a ce côté aussi un peu très humble, très simple. En fait, et alors les coachs, pour être coach aujourd'hui au plus haut niveau, il faut quand même une personnalité hors du commun. Parce qu'il faut manager des joueurs qui sont des millionnaires, qui ont des personnalités aussi, des égos. C'est quand même un métier hors du commun, être entraîneur aujourd'hui. Et réussir à avoir cette simplicité il y a beaucoup d'humanité qui ressort de lui. Je pense que c'est. En fait, avec Franquès, j'ai l'impression qu'on peut parler de foot, mais on pourrait parler de la vie en fait, et ce serait hyper intéressant. Mais je pense qu'aussi, par exemple, un Pascal Duprat, alors il a une étiquette en effet plus ou moins justifiée peut-être d'entraîneur défensif ou des choses comme ça, mais quand on l'écoute parler en fait, alors je trouve que depuis qu'il est arrivé à Saint-Etienne, dans son discours, il est extrême, ça c'est juste, tout ce qu'il dit, ça me semble extrêmement juste dans la manière dont il présente son vécu, son ressenti en tant qu'entraîneur de Saint-Etienne, dans la manière dont il arrive à... Peut-être passé un peu de l'autre côté du miroir, ça l'a peut-être un peu... Ouais. Après, c'est un atypique en quelque sorte, Pascal Duprat, mais à l'époque, quand il était entraîneur de l'Évian TDG, voilà, il parlait de la fierté de la Savoie, la Savoie qui était un pays jusqu'en 1860, et il voulait l'indépendance des choses, très attaché à son terroir, à sa région. Bah oui, mais alors, donc il avait, de toute façon, chaque coach aussi, beaucoup de coachs sont des passionnés, des obnubilés par le foot, mais ils ont tous quand même d'autres choses qui les intéressent, par Olivier Dalloglio avec la peinture, ou des choses comme ça. Et en fait, c'est ça aussi qui est hyper intéressant chez ces personnes-là, généralement, si en arrivant à casser un petit peu la carapace qu'ils essaient de se construire parfois, on découvre des choses hyper intéressantes, parce que les choses qu'ils vivent au quotidien et qu'ils doivent gérer au quotidien, à la fois dans leur relation avec les dirigeants au-dessus d'eux, et puis à la fois avec les relations avec les joueurs, avec les relations avec le staff, au niveau de la performance, Avec les émotions qu'ils vivent aussi, la pression à laquelle ils sont soumis chaque semaine, chaque week-end, leur poste qui est en jeu, qui est remis en question chaque semaine. La victoire ne suffit pas. En fait, la victoire, tu la savoures 3 heures, mais tu te replonges direct dans la suite. Je pense, voilà, c'est un métier vraiment hors du commun. Et je pense qu'ils ont tous des choses hyper intéressantes à raconter. Tous sont plus ou moins à l'aise pour le faire, tous sont plus ou moins ouverts pour le faire. Et c'est pour ça qu'on apprécie d'autant plus ceux qui le sont vraiment, quoi. Ouais, et Francaise me semble hyper intéressant. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y avait un moment assez cool. C'est vrai que tout de suite, dès que j'ai dit à José qu'on t'avait dans l'émission, il m'a parlé de ce moment avec Thomas Tourel qui quand il est arrivé, lui aussi au niveau de l'aisance au contact, ça avait l'air d'être assez chouette, quoi. Ouais, c'était sur RMC Sport. Est-ce que c'était dans Breaking Foot? Comment ça s'appelait l'émission à l'époque? Je sais plus. Ouais, voilà, c'est ça. Breaking Sport. Ouais, en fait, c'est un peu le concept qu'on a fait sur la Ligue 1, et on aurait bien aimé avoir quelqu'un du staff de Lens justement avec nous pour nous éclairer en plus sur les séquences qu'on avait sorties, mais ça n'avait pas été possible. Et là, c'était un moment privilégié aussi de pouvoir voir, montrer des séquences à un coach et qu'il nous explique, quoi. Parce que quand on est de l'extérieur, on voit des choses, mais est-ce que ces choses sont vraiment prévues par le coach ou pas? Voilà, qu'est-ce qu'il demande vraiment? Et est-ce qu'on comprend vraiment tout aussi, toutes les couches qu'il y a derrière les consignes qui sont données? En fait, on se rend compte généralement quand on montre des images à un coach on a repéré 10% de tout ce qui est voulu. En fait, il y a un placement qui nous semble anodin, mais qui en fait est vraiment voulu parce que telle chose. Voilà, ils vont vraiment dans le fond des choses. Le seul truc un peu embêtant qu'il y avait eu sur l'interview avec Thomas Tuchel, c'est qu'il parlait en allemand. Donc il y avait il avait une oreillette où on lui traduisait, et puis moi j'avais l'oreillette de la traduction, mais voilà, c'était difficile de pouvoir rebondir vraiment sur ce qu'il disait, de pouvoir vraiment aussi tout comprendre. D'ailleurs, je suis même pas sûr. On dirait que je pense que j'avais même pas l'oreillette de la traduction. Donc en fait, il parlait en allemand, j'acquiesçais, mais je crois que je pouvais pas comprendre ce qu'il disait pour rebondir, malheureusement, parce que je ne parle pas allemand. En espagnol, c'est plus facile. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Mais on a eu un moment comme ça aussi avec Rudy Garcia ou avec Julien Stéphane aussi sur RMC Sport. Et d'ailleurs, c'était aussi la logique qu'on avait à RMC Sport. J'ai eu la chance de faire plusieurs interviews d'entraîneurs de première ligue, donc d'aller en Angleterre pour voir Klopp, pour voir Emery, Wenger, Guardiola. Et à chaque fois, l'idée, c'était de réussir à leur montrer des images pour les faire réagir, même des joueurs aussi, ils montraient des images de leur jeu pour expliquer leur jeu. Et j'ai eu la chance d'avoir, voilà, dans les rédactions où je suis passé, des chefs qui me faisaient confiance là-dessus et qui poussaient, enfin qui encourageaient cette idée-là de faire parler de jeu aux acteurs. Alors encore une fois, tous ne sont pas aussi à l'aise certains ont parfois, notamment des joueurs, du mal à verbaliser ce qu'ils font parce que c'est parfois très instinctif et ça se fait en un instant. Les coachs, généralement, ils ont quand même un peu plus de recul parce que voilà, ils ont stratégique. Et ça, c'est hyper enrichissant de parler de gegenpressing à Klopp, de parler de l'évolution d'Arsenal avec Wenger en montrant des séquences sur les années 90, 2000, 2010. Voilà, ça, c'est quand même des moments super, quoi. Et perso, c'est les interviews que je préfère quand les mecs parlent de jeu. Je crois que c'est Benzema qui a fait des très bonnes interviews dernièrement à France Foot. Voilà, quand on parle de jeu, moi, ça me va. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant ce que tu dis pour faire le parallèle avec Football Manager. Qu'il y a un milliard que les entraîneurs veulent un milliard voient un milliard de choses et veulent un milliard de choses et les joueurs n'arrivent pas tout le temps à faire tout ce qu'ils souhaitent, et des fois on a un peu tendance à, quand on joue à Football Manager, vouloir que tout se passe comme on l'a décidé, alors qu'en fait le jeu dans son aléatoire veut aussi retransmettre ce côté-là de réalisme. Ouais, et puis c'est pour ça aussi qu'il y a la gestion du moral et la gestion du physique, etc. C'est qu'on parle de tactique, mais tous les éléments du foot, technique, tactique, physique, mental, sont imbriqués et influent les uns sur les autres. Et en final, je pense que le jeu essaie de retranscrire ça du mieux possible. Alors parfois, c'est par des innovations un peu barbantes, comme les réunions d'équipe, les causeries répétitives, les conférences de presse, tout ça. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais voilà, c'est l'idée de simulation, en effet. On voit apparaître aussi dans les staffs les analystes, des chercheurs en sciences du sport, des choses comme ça. Là, ça participe un petit peu de... le jeu, finalement, suit le processus d'évolution du foot. Alors peut-être, Julien, bientôt, on aura de quoi pouvoir personnaliser des phases d'arrêt de jeu, puis arrêter ou sur touche. Parce qu'en plus, j'ai vu que... Alors, je sais plus, je crois que c'est... Non, c'est pas Appel World, mais... Bref, sur une émission de Première Ligue, où justement il y avait un entraîneur à Liverpool, un entraîneur dédié aux touches. Et c'est assez remarquable. Et tout de suite j'ai pensé à FM en me disant, putain, Putain, c'est vrai que ça serait génial de pouvoir aussi s'attarder sur ces phases de jeu. Ce serait extraordinaire, quoi. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, maintenant, plus rien n'est laissé au hasard dans les clubs qui s'en donnent les moyens. C'est sûr que ce sont des investissements, mais alors, bon, la statistique avait été un poil remise en question parce que on se posait la question sur comment c'était mesuré, mais je crois qu'avec l'impact de Thomas Grønnemark, donc qui est l'entraîneur des touches en question, Liverpool était passé de peut-être le deuxième pire taux de conservation de possession. Ouais. Après les touches, au meilleur ratio de première ligue. Donc en effet, voilà, quand ça a un impact positif mesurable, en effet, ça justifie l'investissement qui est mis. Et de plus en plus de clubs mettent en place ces ressources-là. Thomas Grønnemark est aussi intervenu à Toulouse. Enfin, c'est pas un hasard parce que Toulouse, avec Damien Comolli, son président, s'appuie sur les datas et aussi sur cette question d'optimisation de la performance des gains marginaux. Donc ça s'inscrit dans une logique naturelle. Donc ouais, de plus en plus de clubs se tournent vers ces choses-là. Ouais. Et sur FM aussi. Enfin, c'est ce qu'il avait dit. Ouais, donc ça va venir. Je pense que Google, j'ai regardé, j'étais surpris qu'il n'ait pas de profil Thomas Grønnemark dans FM parce qu'il est devenu assez connu maintenant grâce à ça, quoi. Ah bah, c'est clair. Est-ce que tu as le temps pour un petit quiz, Julien? Ah oui. On va envoyer. J'ai fait un petit quiz. Vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, ce que je fais, c'est donc je pose une question. Je donne les trois réponses. Et c'est le plus rapide qui va me donner la réponse. Et après, bah, si c'est pas la bonne réponse, ce sera le tour de l'autre pour essayer de trouver la réponse. Donc voilà. J'ai donc à 5 questions. Et on va du coup commencer par la première question. Dans quel club... a le plus de lag par rapport à toi? Quoi? Ça va dépendre aussi de qui a le plus de lag par rapport à toi pour pouvoir répondre le plus vite possible. Non. Alors, dans quel club danois a signé Jack Wilshere? Est-ce qu'il a signé à l'OB Odense? Est-ce qu'il a signé à Aalborg? Ou est-ce qu'il a signé à l'AGF Aarhus? Bah vas-y. Aarhus. Tout à fait. AGF Aarhus. Ah oui, n'hésitez pas à aller dans la rapidité. Hein, la rapidité. Ok, bah du coup, on répondra avant même d'avoir les propositions, si on sait. Alors. Non, il faut attendre les trois propositions. Mais bon, vous allez voir sur la prochaine, vous n'allez pas forcément avoir la... Celle-là, elle était assez facile, en plus, bon, ceux qui me connaissent, voilà. J'adore ce genre de truc un peu fun. Alors, lequel... je trouvais ça assez... étonnant, lequel de ces entraîneurs a la note la plus élevée en tactique sur Football Manager? Est-ce que c'est Jordi Melero? Est-ce que c'est Pep Guardiola? Ou est-ce que c'est Benito Floro? Moi, je vais dire Benito Floro. Parce que les Espagnols, en plus, ils leur filent souvent plein de super notes en tactique. Benito Floro, le nom me dit quelque chose. Mais... alors, c'est pas Benito Floro. Du coup, c'était posé la question. On va voir le premier. Jordi Melero. Alors, c'est... eh ben, c'est écrit Jordi, alors. Alors, bon, c'est un peu biaisé. Je sais pas si je donne le point parce qu'elle était un peu... En fait, Jordi Melero, c'est le seul qui a 20 en tactique. Les autres ont 19, les deux. Et il y en a plus, même il y a Tourelle qui a 19, etc. Mais c'est pas vraiment un entraîneur, c'est un analyste de tactique ou je sais plus quoi. Mais du coup, oui, c'est un analyste du Barça. Voilà, c'était pour le mettre en avant. Il a la meilleure note tactique du jeu, au-dessus de Guardiola, au-dessus de Benito Floro, même si c'est pas un entraîneur, donc ma question est un peu biaisée. Mais voilà, c'était pour le mettre en avant. Dur de le trouver. Ça donne envie de voir des interviews de lui pour comprendre tout ça. Bah carrément. Jordi Melero. Jordi plutôt. Enfin voilà. Ah, Jordi, bah, s'il est catalan, c'est Jordi. Ah oui, c'est catalan, c'est Jordi. Tout à fait. Ouais, bah, je pense au Barça comme ça. Alors, prochaine question, et ça fait relation avec les entraîneurs révolutionnaires. Alors, par contre, c'est une question qui colle un peu trop à l'actualité, malheureusement, j'ai même pas fait exprès. Donc, c'est par rapport à Valérie Lobanovski. Et en fait, c'était comme Valérie Lobanovski à l'époque a entraîné pendant une saison le Shakhtar Donetsk. Et je voulais vous poser la question, combien de coupes du RSS a remporté le Shakhtar Donetsk? Est-ce qu'ils en ont remporté 2, 3 ou 4? Déjà, je suis surpris qu'ils en aient remporté parce que... pour moi, c'était... j'avais pas souvenir... enfin, pas souvenir. Alors, Wikipédia, pas marqué, hein, les sources, c'est Wikipédia. C'est un succès sur la coupe de l'URSS, non? Mais, bah oui, bien sûr. Bah, du coup, je dirais 2, mais... c'est pas 2. José? Bah, je vais dire 3. Et c'est pas 3. Donc le point va à Julien, car ils ont remporté 4 coupes de GRSS. J'ai un point pour avoir dit une mauvaise réponse. Bah, c'est bien ce jeu. Bah, j'ai un point parce que tu t'es lancé en premier et vous êtes tous les deux trempés. Donc voilà. A priori, Labonowski n'a pas entraîné. Hein. Shakhtar, il a joué. Il a fini sa carrière. Il a fini sa carrière. Pas entraîné, il a joué. Il a fini sa carrière. Tu as bien raison. Comme quoi, quand on regarde sur Wikipédia, faut bien prendre les informations. Mais voilà. C'était le petit clin d'œil. Donc clin d'œil là à ta partie avec Arsenal. À votre avis, quelle est la caractéristique la plus élevée de Mikel Arteta sur Football Manager? Est-ce que c'est l'adaptabilité? Est-ce que c'est la détermination? Ou est-ce que c'est l'entraînement des jeunes? Je pense qu'adaptabilité, ça correspondrait à sa carrière. Eh bien, c'est une bonne réponse, José. Oui. C'était l'adaptabilité qui est à 17. Après, c'est la détermination et l'entraînement des jeunes est plus faible et à 14. Alors, un joueur que j'ai adoré au PSG. Hein. On l'oublie, mais ça a été un joueur extraordinaire. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Puis, ça fait toujours plaisir quand on voit des anciennes gloires comme ça. Bon, même si c'est pas du niveau de Gerrard ou de, mais de les revoir sur le bord du terrain, ça fait toujours quelque chose. Même si sur FM après ils se retrouvent à Châteauroux comme comme Raoul dans la partie d'Alex Benito, on a vu ça tout à l'heure. Ah, parce qu'ils ont des sous, ça c'est pas illogique. Dans 2-3 ans, ça peut être réaliste. Hein. Ah là là, hâte de voir ça en tout cas. Hâte de voir le Châteauroux de Raoul. Alors petite dernière question qui est encore donc voilà. Qui a encore un rapport avec les entraîneurs révolutionnaires. Dans quel club Jordi Cruyff, le fils de Cruyff, a terminé sa carrière de joueur? Est-ce que c'est au Valletta Football Club? Est-ce que c'est à l'Omonia Nicosie? Ou est-ce que c'est à l'Athlitikos Omilos Mykonos? Putain, j'aurais dit l'Omonia, moi. C'est pas l'Omonia. Non, bah du coup le dernier au nom interminable là. Mykonos, et ben c'est pas Mykonos, c'était à La Valette. Il a terminé sa carrière à Malte, si c'est pas dingue ça. Encore une fois une information qui nous est donnée par l'ami Wikipédia, mais j'aime bien aller chercher des trucs un peu improbables comme ça. Ben merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et à ce petit quiz de fin. Pas de soucis. Ça faisait vraiment plaisir. J'ai glorieusement perdu. Ouais, mais c'est José, il a l'habitude, il est là tous les lundis, quoi. Connais tes questions. Il connaît peut-être l'ordre dans lequel tu mets tes réponses habituellement pour savoir laquelle est la bonne. Même pas. Ah non, ça j'essaie de tout le temps, justement, me brain moi-même et de faire des choses improbables. Non, il n'y a pas de ça chez nous. Et en plus j'aborde le quiz avec très peu de fierté parce que je crois que j'étais sur 2 ou 3 défaites d'affilée, donc si, moi j'ai pu te relancer un peu, te remettre un peu dans la confiance, voilà, pour les prochains. C'est gentil. Bon, en tout cas merci Julien, c'était une super émission. Merci à ceux qui ont suivi cette émission, que vous pourrez retrouver en replay sur la chaîne YouTube de l'Hebdo des Managers, et bah du coup on te retrouve sur Twitch, sur YouTube, sur la Ligue 1 avec Coparena, un peu partout. Ouais, sur l'équipe aussi. Alors j'ai fait une vidéo et un article là sur Chelsea avant le match de demain soir, donc un petit peu partout, on essaie d'être présent. Ça fait plaisir en tout cas. Merci beaucoup Julien, et on te dit à une prochaine fois. À bientôt et bon FM. Ciao à tous. Ciao.